Petit frère, tu ne remets pas ton téléphone. Je ne te remets pas. Quand tu manques le respect, c'est quand on prend ton téléphone comme ça, c'est que tu payes la DAX, petit frère. Tu peux marcher dans un quartier, quand tu manques le respect, tout le monde te dit que non, ça va passer comme ça là. Il te dit, je bloque ça. Là, c'est quelle histoire? Mais il te manque. Regarde, c'est devenu fou. Donc maintenant, souvent quand les gens payent les voitures à pièces détachées, c'est comme ça qu'il va commencer. Donc le bail, donc le gars d'abord baille la batterie. Parce que ça fait un certain temps, je le vois. Le matin, il monte avec la batterie. Le soir, il descend avec la batterie. Mais les gars sont puissants ici. Hein. En tout cas, de toute façon, chacun a son modèle ici devant. Et il marche avec comme si c'était le plateau de la Rachid. Le petit PC, on met les deux sur le CC. Il ne peut pas avoir regardé le CC et puis moi, je les mate. Petit frère, tu vas récupérer ton CC. Alors, le petit frère. C'est moi, bonjour chérie. Bonjour. C'est comment? Ça va et toi? Ça va. Tu voulais qu'on entre dedans? Entrez par là, oui, pardon. Chérie, c'est quoi? C'est encore comment aujourd'hui? Je t'écoute. Tu es venu chercher quoi? Moi, je suis venu te rendre visite comme d'habitude, non? Non, moi, je n'ai pas la visite. Il t'a dit depuis 2 jours qu'il veut me coiffer. Il veut changer de coup. Donc, tu te coiffes 2 fois par semaine? Il me coiffe 2 fois par semaine, ça veut dire quoi? Donc, avec tout ce que je fais là, tu ne vois pas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Normalement, je devrais me coiffer après chaque 2 jours. Après chaque 2 jours, je devrais me coiffer. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je veux l'argent. Pour l'instant, moi, je n'ai pas l'argent. Je veux l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne viens plus chez moi. Si tu n'as plus l'argent, la relation entre toi et moi est terminée. Et tu voulais que je fasse comment? Bon, je te propose quelque chose. Je vais te donner l'argent demain. Je n'ai pas l'argent maintenant. Demain? Oui. Demain? Donc, je vais encore rester avec la tête ici jusqu'à demain. J'ai l'impression que ça ne va pas bien chez toi. Eh. Cadeau, cadeau, ne me cherche pas. Tu m'aimais parce que t'es belle, non? Parce que tu étais toujours bien coiffée, non? Pardon, papa, cherche vite l'argent, tu vas me donner. Aujourd'hui, et tu as jusqu'à 11h. Tu as jusqu'à 11h pour me donner l'argent. Sinon, toi et moi, c'est terminé. La relation s'arrête là. Les choses qui arrivent aux autres m'ont déjà arrivé. Qu'est-ce que je veux résoudre le problème ici? Non, je suis même pas 7, même 25, il n'y a même pas. Seigneur, donne-moi la force d'apporter l'amour dans la vie ici. Seigneur, si tu ne peux pas la perdre, ne peux pas. Allô? Ouais, bonjour, gang. Ça comment? Depuis 3 jours, tu vois, tu montes, tu descends avec la batterie, c'est quoi? Non, la batterie, si, ça c'est ma batterie, j'ai envisagé d'acheter la voiture. Mais j'ai trop de soucis maintenant que je voulais la vendre. Si tu pouvais même avoir l'argent, tu me donnais. Ça me suffit que tu montes, tu dis ça. Oui, oui, oui. Ça, attends, c'est... Toi, quand toi, tu me payes. J'ai acheté d'abord la batterie, d'abord, pour attendre le jour que tu as l'argent, on va acheter la voiture. Donc, si tu as l'argent, tu me donnes. Tu me donnes même 150 000 là maintenant. Cadeau, la batterie, c'est 45 000, 150. Donc, tu ne connais même pas le prix de la batterie. Et ça veut dire que moi, maman m'a même frappé. J'ai acheté la batterie ici à 100 000 francs. Donc, je voulais 150 000 pour qu'il y ait un peu de bénéfices sur ça. La batterie c'est 45 000 et ça c'est une batterie en affaire même normalement. Ça, tu dois donner ça à 15 000. Ça c'est 15 000. Quand on subitement, moi je perds beaucoup d'argent comme ça. Tu perds beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? Les 15 000 que tu donnes là, ça ne peut pas coiffer ma femme. Hein. C'est donc, petit. Donc, si toi tu cherches l'argent pour coiffer la femme, t'es. Mais apparemment la batterie est encore une 9. Oui, c'est une bonne batterie. Mais, bon, sur les 15, moi j'ai 15 000, mais je ne peux pas donner 15 000 là. Tu sais, je vais donner 13 000. Donne 13 000. C'est la batterie, on te dit que c'est quoi, c'est la voiture? Si tu as 20 000 gants, tu me donnes, moi, je te donne ça. Si tu as 20 000, tu me donnes. Je te dis que c'est la batterie, ce n'est pas la voiture. Parce que c'est quoi? On te dit que tu as la batterie. Donne-moi l'argent alors, donne-moi. Bon, le truc, c'est que bon. Le mieux, c'est que si c'est que les batteries sont aussi bizarres. Tu peux voir une batterie neuve comme ça là. Non, c'est neuf, alors que ça ne démarre pas. Bon, écoute, j'ai une batterie dans ma voiture là. Mais la batterie est faible. Donc, on part. Si ça la démarre, je prends. Ok, donne-moi l'argent, non? Donne-moi l'argent. Alors, non, si, comme j'ai dit, monsieur, moi, je regarde, je voulais que. Ouais. Donne-moi d'abord les 10 000. Ouais. Donne-moi d'abord les. Alors, est-ce que c'est un problème? Viens pas. Viens pas. On tu veux qu'on teste avant que tu payes? Ben, écoute, bien évidemment. Moi, je voulais que tu me donnes les 10 000 et tu peux tester ça. Non, viens pas. Comment? Ok. Mon frère. Comme tu as insisté, on parle. Oui, allons. On teste, non, est-ce que c'est un problème? Là, je t'abonne à 10 000. Attends, il t'a suffi que tu marches avec la batterie, matin, midi, soir, poser la question que c'est comment.
On t'a fait la batterie ici, j'attendais ici à acheter la batterie. Je commence à commencer d'abord par la batterie. Voilà encore les gens que je n'ai pas encore, voilà les gens de la tunnel. J'avais des gens qui étaient au quartier, ma fête, moi là-haut. Les gens qui moi, je n'aime pas leur tête. Ils sont là, ils font le plan au quartier, mais ils sont là pour que je prenne le plan. Leur tête, je n'aime pas comme ça, là-haut, pour rien. Parce que je disais que, bon, on est déjà arrivé, non? Hein, regarde, prends la batterie, prends la batterie. Gando, donne-moi l'argent, toi-même tu vas aller tester ta. Allons, voici la voiture qui est garée en test une fois, tu pars où? Tu voulais que tu me donnes, donne-moi d'abord l'argent. En business, on paye d'abord avant. Voici la voiture, oh, ok, c'est comment avec toi? Viens, on teste. Tu disais que, Gando, viens d'abord. C'est quoi? Viens d'abord. Il y a quoi? Normalement, pour tenir ça en même, tu devais d'abord me donner l'argent. Donne-moi ce que tu on as. On t'a dit que c'est quoi? C'est la nourriture, c'est le charme. Donne-moi ce que tu as. Je sais. Écoute un peu, voilà ce que je n'aime pas. Voilà la voiture qui est garée là. Hein? On part, on démarre la voiture. Et tu donnes ton 13 000. Le problème, c'est où? On est à moins de 10 mètres de la voiture. Tu freines les pieds par rapport à quoi? Hein? On teste alors sur la voiture ici. Laquelle? Celle-ci, on teste celle-ci. Est-ce que c'est un problème? Allons, sur laquelle? Celle-ci. Non, il y a la batterie ici là. C'est l'autre là qui n'a pas de batterie. C'est la batterie de l'autre là qui est trop faible. C'est la batterie qui est faible. Pourquoi? C'est parce que tu ne connais pas. Tu te dis que non, que c'est comme la nourriture. Que quand tu as un service, tu dois vraiment payer. La batterie, si c'est que ça ne donne pas. Tu comprends? Directement, là. Chacun prend sa route. Bien. Non, c'est sur la voiture là que tu veux tester. Mais oui, non. Et là, attends d'abord. Tu dis que quoi? Tu me donnes même pas quelque chose. Je te donne, non. Ouais, cadeau. Ouais. Cadeau, laisse. Non, reste avec ta voix. Reste. Ça va. Il ne donne plus. Reste avec ta voix. Reste. Non, là, c'est des gens fous, c'est quoi? Pourquoi? Massa! La fête s'allait m'étonner. Quand je vois la batterie, c'est misère. Mais est-ce que ce n'est pas la batterie de la voiture? Donc, Kadio est venu, il a volé ma batterie. Il monte, il descend, depuis il va placer la poche sur le client. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, le gars vient, il part. Quand j'ai vu la batterie, c'est au kilomètre kilo. Ça, ce n'est pas la batterie de la voiture ici. Non, Kadio, tu es mort. Pose-moi d'abord ça ici. Tu vas fuir jusqu'où? Donc, c'est ma batterie que le feignant s'y vient chercher comme ça là. Hein? Kadio, tu vas courir jusqu'où?